Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. On va parler de ces images qui ont fait le tour de la planète. Regardez bien, cette population qui s'agite autour d'une seule personne, la personne de Lionel Messi, qui se rend juste au restaurant. Il va juste au restaurant et là, il y a toute la population d'Argentine qui l'attend et qui le regarde en train de manger. Oh, bon appétit, Messi! Oh, regardez comment il mange! Ah là là, Messi, il est trop fort! Oh là là! Regarde comment il met la cuillère dans sa bouche! Oh là là, Léo Messi! Ah, je t'aime! Vous vous rendez compte de la folie? Là, c'est officiel. Lionel Messi a littéralement dépassé toutes les stars que la planète ait pu connaître. Michael Jackson, c'est un petit à côté de Lionel Messi. C'est officiel! Regardez-moi toute cette population, tout ce monde qui a pu amasser autant de gens comme Lionel Messi vient de le faire. Personne! Hein? Il va juste au restaurant! Il peut plus manger! Non, mais là, on voit clairement que le foot commence à prendre des proportions qui sont limite dangereuses. Là, on voit que pour certains, le football, c'est plus que du foot. Tu vois, le football, ça a un côté mystique. Tu pourrais dire que pour certains, le foot, c'est comme une religion. Mais ouais! Regarde-les! Ouais, moi je suis pour cette équipe! Et si tu parles mal de cette équipe, ils commencent à s'énerver. Ils commencent à te dire qu'ils vont t'étrangler. Eh, tu parles pas comme ça de mon joueur, hein! Tu parles pas comme ça, hein! Tu leur dis, mais attention, ouais, c'est juste un sportif. Eh, et alors? Et alors? Moi, tout toi, tu sais pas, hein! Si tu parles comme ça de lui, tu vas voir! Tu te rends compte de cette dinguerie? Hein? Tu te rends compte de la violence? Hein? Donc ça voudrait dire que là, tu pourrais remplacer tout ce qui se passe dans un stade par des chants un petit peu plus spiritueux. Donc ça veut dire que là, on pourrait entendre des PSG et on change, on met Alléluia. Donc c'est ça pour vous le foot, hein? C'est un truc spirituel, c'est religieux. Vous voulez qu'on retranscrit, qu'on fasse des retranscriptions des matchs dans des cultes, dans les églises, dans les mosquées, dans les je sais pas quoi, hein? C'est ça que vous voulez? Dans les temples, hein? Non mais c'est quoi ça? Lionel Messi, il fait caca et pipi comme tout le monde. Hein? Il faut se calmer là. C'est vrai, il a permis à son peuple de remporter la Coupe du Monde, mais là on voit clairement que le fanatisme est beaucoup trop grand. C'est n'importe quoi. Pour certains, Lionel Messi, c'est vraiment le Messi. Tu sais quoi, le Messi là, envoyé de Dieu. Il dit non, Messi, oh là là, c'est divin ce qu'il fait. Ah là, regarde, regarde, il est envoyé là. Oh, c'est trop, regarde, oh, c'est trop là. Mais attends. Donc, Messi est envoyé de Dieu et lui, il vient jouer au foot. Hein? Avec tous les problèmes, tous les trucs de malade qui se passent, lui, il est là, ah, il fait des jongles. Bon, après, quand tu regardes l'histoire et ce que l'humanité a pu faire à Jésus, bah, tu te dis que, ouais, c'est vrai que distribuer du pain et du vin gratuitement, ça peut coûter cher. Mais peut-être que Messi aussi, hein, si on entre dans la folie des gens, peut-être que Messi, pendant qu'il est sur le terrain, pendant qu'il fait les dribbles et tout, peut-être qu'en même temps, il parle. Il a un message de paix. Mais nous, on l'entend pas. On est là en train de regarder ses dribbles et tout. On dit, oh là là, regarde, regarde, oh, c'est divin, oh, magnifique. Et on n'entend pas ce qu'il dit. Et en plus de ça, on fait des paris sportifs sur lui. Hein? Ah, bah alors, hein? C'est mystique? Alors que l'entrée, elle est payante partout? Vous êtes malade ou quoi? Vous pensez que Messi, il va jouer gratuitement devant vous, dans le restaurant? Vous le laissez-le au restaurant. C'est que dans le stade qu'il veut vous voir. Il veut pas vous voir partout, là. Il veut marcher dans la rue tranquille. Et quand il est dans les stades, là, vous payez votre place et vous l'acclamez. Oh! Comment ça? Parce qu'il joue un sport que tout le monde peut jouer, vous l'acclamez? Ouais, j'ai la rage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Que j'ai tort?